Alors bonjour à tous, shalom les kolam. Anachnu matrilim ayom sidra shel shiurim kede la tête et ta bassis shel la kabbalah la ram. Ani mitvases al sefer hazeh shehu sefer ani chushev shel shenikra chokhmat halev קבלת לעם, אבל אני חושב שזה של רב לייטמן. לא נורא. מי שעשה את זה עשה מצווה גדולה, כי הוא רוצה להפיץ את התורה על פי קבלה בעם, וזה ברור שזה לא קל. זה לא קל כי יש כל מיני דעות, וכדי להעביר את זה, אפילו שידוע לפי המסורת ש... בקץ הימים צריך להעביר את הקבלה בעם בכל הדרגות של העם, זה לא ברור לכולם. יש הרבה שמתנגדים עוד לזה ושלא כל כך מרוצים שיפיצו את הבסיס של הקבלה. יש שיש להם אלרגיה לקבלה, או ממש מקבלים את זה בדוזות קטנות, במידות קטנות. Alors bien voilà, nous commençons aujourd'hui donc cette série de cours, une petite série de cours qui va être sur l'initiation de base à la Kabbalah parmi le peuple. Alors bien sûr, je vais me baser sur ce livre là qui est fantastique, qui est d'une grande profondeur et d'une grande simplicité. Je pense que c'est un livre qui s'appelle Chokhmat Halev, la sagesse du cœur, et c'est la série Kabbalah Ba'am, la Kabbalah diffusée au peuple. Je pense que c'est Rav Lightman, je ne suis pas sûr, mais peu importe, je sais que celui qui a fait ce livre est très bien qu'il n'y a pas de signature, et non plus, donc enfin, moi je pense que c'est Rav Lightman, et Kola Kavod, qu'il ait fait cette chose-là. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, dans nos jours, bien que beaucoup savent que tous les grands maîtres ont parlé et ont dit que la Kabbalah doit se diffuser parmi le peuple tout entier, il y a quand même des réticences, il y a des gens qui sont anti-Kabbalah, il y en a qui la recèlent, mais vraiment à petite dose et qui ne veulent pas trop que ce soit diffusé, et qui se cantonne simplement qu'à une étude du Talmud et de la Halakha, Shulchan Aruch, plus que toute autre chose, même pas de moussar, même pas de place pour le Midrash, ou trop pour le Midrash, même pas trop de place pour la pensée juive, c'est surtout Halakha et Talmud, en mode pile-poule, qui est récepté. Or, en fait, la Torah, c'est tout. C'est comme une armée. Dans une armée, le Créateur, qui est au service du Créateur, on doit travailler sur tous les plans. Et en fait, pour travailler sur tous les plans, il faut aussi que chacun qui travaille sur tous les plans, il ait sa propre itkalelout, c'est-à-dire sa propre synthèse en lui des différents plans, et pour ça, ça demande une petite période d'étude pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, plutôt que de canaliser toute l'étude rien que sur un thème et un sujet précis qui est Halakha et Talmud. Il faut que ce soit varié, il faut que ce soit une petite dose d'Halakha, une petite dose de Talmud, une petite dose de Moussar, qui veut dire éthique, morale, une petite dose de Chassidut, qui est la dévotion, la bonté, une petite dose pour l'étude de la prière, par exemple, une petite dose pour l'étude des bases et des fondements de la Kabbalah, et au fur et à mesure, on progressera vers cette chose-là, et puis une petite base sur le Midrash, parce que c'est fondamental pour éclairer l'esprit, pour comprendre les profondeurs de la Torah, et une petite dose, par exemple, sur la pensée juive. D'accord ? Donc tout cela, c'est cet ensemble-là qui forme l'ensemble correspondant à une étude réelle et une étude équilibrée. Alors, bien sûr, le but, c'est d'y arriver. Et comme dans le Pirkei Avot même, qui est le livre d'éthique fondamental
de la Torah, mais qui en même temps est un livre pas seulement de moussard et d'éthique, donc, mais vraiment un livre de très grande Kabbalah. Et on commence comme ça, hein, par un petit verset en plus qui dit Moshe kibel Torah Misinai umesera le Yoshua. Yoshua, les Zeknim, Zeknim, les Nevi'im, Nevi'im, les Anshei Knesset Agedola. Alors ça, c'est toute la base, effectivement, du fondement de la transmission de la sagesse. Moïse a transmis, a reçu la Torah au Sinaï, il reçoit de Dieu, c'est la Kabbalah. Kibel, c'est le verbe de base du mot Kabbalah. Réception, donc tradition. On pourrait dire à traditionner la Torah ou à intro-historiser la Kabbalah. Il a rentré dans l'histoire la Kabbalah. Alors bien sûr, après il a transmis à Josué, donc le terme ici Msera, ça veut dire transmettre, c'est en fait adapter. On pourrait dire adapter comme quelqu'un qui connaîtrait les secrets profonds adapterait ses secrets au travers d'un langage d'adaptation qui permettrait de comprendre à des niveaux moins initiés, disons. Et puis ensuite, Yehoshua l'Eskenim, il a transmis aux anciens. Les anciens, il faut savoir qu'est-ce que c'était les anciens, c'était les grands maîtres qui connaissaient tous les arts, les secrets de la Torah, qui connaissaient toutes les correspondances spirituelles des arts par rapport au monde spirituel et à Dieu qui a fait les mondes spirituels comme matériels. Et donc, ils savaient diriger les gens, ces sages-là, qui avaient tous la névoie, hein, pratiquement. Hein. Ils savaient diriger les gens vers un mode de sacralisation du monde dit profane, parce que chacun pouvait travailler dans le monde profane et dans ce travail servir Dieu et réaliser l'œuvre de Dieu en se connectant avec les profondeurs qu'avait chaque travail sacré. Et puis ensuite, on s'était transmis donc les anciens transmettaient donc ça aux prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui reçoivent d'en haut, mais ils savent pas encore, ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas atteint le niveau de sagesse pour comprendre ce qu'ils ont reçu et comment et pourquoi ils l'ont reçu. Alors ce sont en fait des gens qui ont des dons, mais qui sont des dons de réception, mais qui ne sont pas encore forcément au stade de sagesse. Maintenant, tous les prophètes qui sont cités dans le Tanakh, eux sont des prophètes qui ont atteint tout ce stade de sagesse, depuis les 12 petits prophètes jusqu'aux 3 grands prophètes et Daniel et compagnie. Donc toutes les 60 Gibourim, qu'on appelle les 60 Gibourim, les 60 forts d'Israël, ont tous un niveau à la fois de prophétie, mais aussi de sagesse. Mais il y avait des débutants prophètes qui eux recevaient des choses, hein, et puis qui ne savaient pas comment et pourquoi ils le recevaient. Hein, des fois, il pouvait y avoir même un peu d'erreur dans ce qu'ils recevaient. Ils ne savaient pas comment diriger pour qu'il y ait de moins en moins d'erreurs, même comprendre pourquoi il y avait une erreur d'interprétation ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est le niveau de sagesse qui permet de comprendre cette chose-là. Et donc, ça, c'était parfaitement compris comme ça. Dans Isaïe, les grands prêtres enseignaient aux anciens, les anciens enseignaient aux prophètes, hein, et puis ensuite le grand prêtre enseignait à tous les autres prêtres de la même lignée enseignaient aux anciens, donc les maîtres des sciences et des arts sacrés, et qui avaient le don de prophétie aussi tous. Et ensuite, on enseignait aux prophètes qui, eux, étaient plus débutants, qui ne savaient pas encore bien analyser et comprendre ce qu'ils recevaient. Et ensuite, au troisième stade, on transmettait aux membres de la Grande Assemblée, qui correspondaient, si on pourrait dire, aux juges et aux gens formant les chotrim et les décisionnaires de la loi, tels que les juges et même ceux qui siégeaient au tribunal et ceux qui surveillaient aussi comment les problèmes évoluaient dans le niveau de la justice. Tout ça, après au-delà de ça, on avait
le peuple, qui le peuple, lui, allait recevoir en dernier, et allait recevoir l'Ivo le plus adapté. C'était comme ça que ça fonctionnait. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'origine. Et c'est comme ça que ça doit refonctionner. Alors pour ça, il faut dispatcher la sagesse, voir comment elle est conditionnée, et puis étudier, remplir toutes les strates, et former finalement une armée de l'étude, de la connaissance de Dieu. Voilà. Et donc, maintenant, nous avons... ces cinq strates qui sont reliées et représentées au travers du Pirkei Avot, à travers ce verset d'introduction qui est « Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmis à Josué, Josué l'a transmis aux anciens, les anciens aux prophètes, les prophètes au monde de la grande assemblée, puis après ça va au peuple, bien sûr. » Bon. Alors donc, Beivri Tarchav, Yeshkama Dargot, Batorah, Yeshkomine Zaviot, Kekomine... העולם של התורה הוא כל כך לארג', יש גם מדרש, יש גם הלכה, יש גם תלמוד, בבלי, ירושלים, יש גם מוסר, יש מחשבה יהודית, יש את המדרשים שהם נעלמים יותר, יש זוהר, יש קבלה, כל זה עולם אחד, זה צבא אחד. כדי שהצבא עובד טוב, צריך שיהיה בעם כל הדרגות וכל הלימודים. אבל הלימודים זה לא, אלו לומדים רק קבלה, אלו לומדים רק מדרש, אלו לומדים רק תלמוד, אלו לומדים, לא, אבל זה גם לא, אלו לומדים רק תלמוד והלכה, זה לא יכול להיות דבר כזה. צריך קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה, צריך לעשות דיספאצ'ינג טוב של הלימוד, ולדעתי צריך את זה, לעשות את זה בכל הישיבות, זאת אומרת, לקבוע שעות לימוד, להגיד בין שעה כזאת וכזאת זה לימוד הלכה, בין שעה כזאת וכזאת זה לימוד תלמוד, בין שעה כזאת וכזאת זה לימוד... מוסר, אחר כך זה לימוד מחשבה יהודית, אחר כך זה לימוד מדרש, אחר כך מדרש יותר נעלם, זוהר, קבלה, וככה זה יהיה לימוד מאוזן. שיהיה אנשים שיותר יתעסקו בתחום זה ובתחום זה, וקצת פחות לתחומים אחרים, זה אוקיי, אבל צריך כל התחומים להכניס. אם לא, אין לימוד מאוזן. אין לימוד מאוזן, רואים הכל לפי זוויות, ולפי זוויות אי אפשר לראות את התורה ככה, רק לפי זווית אחד. צריך שיהיה דיספאצ'ינג, שיהיה הטרודוקס באיזשהו צד. שיהיה כמה שלבים של ראייה. יש גם כתבי קומראן היום, שגילו כתבי קומראן, יש גם כל הפירושים שעכשיו מתחילים לרשום ולכתוב על כתבי קומראן, ויש גם תפילות שמצאו בקומראן, ויש גם כתבי נאג המדי, שזה כל זה, זה עוד תחומים של המסורת העברית שנעלם, ששכחנו עליו. כל זה צריך להחזיר, צריך לימוד שיהיה... בכל התחומים, וכל אחד יש לו התקללות בפנים, הוא צריך גם להתעסק בהכל, ולפי מידה הוא בוחר את התוכנית, אבל שיהיה ככה, 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 ככה. זהו. זה ככה. כל אחד בוחר, מוזמן, ונותן לפעמים שעות כאלה, לפעמים שעה לזה, שעה לזה, שעה לזה. זה ככה. זה ככה, זה נקרא לימוד מאוזן.
Alors, bien sûr, on va donc commencer ce chapitre, hein, cette étude par le premier pérec de ce livre, qui est fantastique, bah, parce que, en fait, il ne va pas vous faire un cours de Kabbalah, c'est beaucoup plus profond. Il ne va pas comment vous expliquer quels sont les modes de procédé avec les schémotes, les cavanotes, les concentrations et tout ça, parce que c'est compliqué, vous ne pouvez pas y arriver tout de suite. Il faut d'abord se préparer, comprendre et préparer le Kéli. Et savoir qu'est-ce qu'on va étudier aussi. Zlachen, Kédé, la vigne au terre Tov. Oulomatril, bah c'est faire zé, oulomatril, iné, kabbala kolel, tiroufé tevod, ve tmoura shel tevod, ve limoud hachemot, akdoshim, qui zé, atem lo yacholim latril, mais c'est caché. Azé tsarir, zé, yesh meod pédagogia, meod gdola, che po, oumatril, ma. Et. On matril im a ech livnot et akeli shel adam kedi lekabel a kabbalah ech leachin oto ve on noten lecha masvir lecha ech ata tzarich leitnaeg klapei chokhma hazot ve ech ata tzarich lilmod mimena achar kach aval ech ata tzarich leachin et atzmecha kedi lilmod et ota a chokhma. Alors on commence comme ça, on va commencer par le premier pérec. Chochmat Kabbalah, on aime quand c'est Fuchs élaboré. La base de la Kabbalah, c'est un focus vers le Boré, vers le Créateur. C'est-à-dire, c'est comme si on prenait un télescope et on essayait de voir des étoiles qu'on ne voit pas, qui sont trop loin. Et mais là, c'est une espèce de télescope spirituel qui permet de nous projeter quelque part d'arriver à saisir plus ou moins le projet du Créateur, pas le Créateur lui-même, Be'atzmuto, dans son essence, mais le projet divin du Créateur, essayer de le comprendre déjà. Donc ça, c'est la base, c'est la base. Focus sur le Boré. Aze Abassi, Shel Kol Davar, c'est-à-dire Kodem Kol, la date, Imiat Anachnu Mityahsim, c'est Kodem Kol, כל הבסיס של הקבלה זה למצוא את הבורא ולקבל הדרכה ממנו. אז קודם כל, הפרק הראשון מתחיל עם פוקוס של הבורא, זאת אומרת, איך אנחנו יכולים, כמו בן אדם שלוקח טלסקופ ומסתכל עם הטלסקופ הזה, כוכבים שהם רחוקים שהוא לא יכול לראות עם העין בלבד, אבל הוא יכול עם הטלסקופ, פה זה כמו יש טלסקופ רוחני בתוכנו, שעל ידי זה אנחנו יכולים לא לראות את הבורא בעצמותו, אלא לפחות לקרב את ההבנה ולהשיג את המטרה שהוא ברא את העולם, ולהשיג גם מהי ההשגחה שלו בתוך העולם. זה הבסיס. Alors on va commencer le texte. Je lis en hébreu, je traduis en français, et éventuellement si je fais un tout petit commentaire, mais vraiment un tout petit commentaire dessus, eh ben je le traduirai d'abord en français et après je le dirai en français puis en hébreu, quoi, voilà. Ben, alors matrilim karaim chokhmat kabbala את הפרק הראשון, אני מתחיל לקרוא כמה משפטים ואחר כך מתרגם בעברית, בצרפתית, ואם אני ירצה לדוגמה להשים פירוש קטן על העניין כדי לתאר אותו קצת יותר או משהו, אז אני אגיד שזה פירוש, ואז אני אתרגם אותו גם, אני אגיד אותו בעברית, ואחר אגיד אותו כמעט באותו צורה או בצורה אחרת, אבל באותו משמעות, בעברית, וואלה, בצרפתית, פעם. שלום.
On va commencer. Anachnu matrini. Chokhmat haKabbalah mekavenet et haAdam ech lesovev et atzmo mibifnim limtso et haBoré. Mishpat meod pashut aval meod amok. Chokhmat haKabbalah mekavenet et haAdam איך לסובב את עצמו בפנים, מבפנים, ולמצוא את הבורא. Alors voilà le premier משפט qui est très simple apparemment et très super profond. La sagesse de la Kabbale dirige, donne à l'homme les directives, à l'homme les directives, afin qu'il sache se tourner lui-même, hein, vers son intérieur, velimtso et taboré, et trouver son créateur. Je répète. La sagesse de la Kabbalah donne les directives à l'homme afin qu'il sache comment se tourner vers son propre intérieur, à lui, et il puisse trouver son créateur dans son propre intérieur, en se tournant vers la voie intérieure qui est en lui. Alors bien sûr, Zéomer, Arbet Vary. Azamishpat Azé, Mamash Omer Arbet Vary. Que Shomer Lanou, les sauveurs, את עצמנו בפנים, כדי להכיר את החושים שהם בפנים. למה? כי יש לנו חושים חיצוניים. אנחנו רואים חיצוני, אנחנו שומעים חיצוני, אנחנו מעריכים משהו חיצוני, אנחנו נוגעים במשהו חיצוני, אנחנו מדברים עם מישהו שחיצוני, אנחנו אוכלים משהו שהוא חיצוני. אבל אותם החושים הם קיימים בפנים. יש חוש ראייה רוחנית. מי שלא ראה רוחני ולא הפעיל את החוש רוחני הזה, הוא לא יכול לקרוא בספר תורה, לדוגמה, בדברי הנביאים שכולם קיבלו את התורה והיה להם את המסורת הזאת ביד, ולהבין מה הם אמרו ממש, למה? כי הוא לא מפחיל את הראייה של הבפנים. וכשהוא חושב, הוא חושב עם המוחין שלו רוחני, סליחה, פיזיים. אני לא אומר שהם לא חשובים, הם חשובים. יש הפנימיות של המוח פיזי והחיצוניות של המוח פיזי, הם חשובים. זה נקרא פנימיות וחיצוניות של המוחין פיזיים. הם כאן כדי לתת לנו את ההרגשה ולראות ולתאר את הדברים עם החמישה חושים שלנו מבחינה פיזית. ובו יש את הראייה, וגם יש את השמיעה, וגם יש את יש את הדיבור וטעם, ויש את הנגיעה של מישוש. אז זה, כל זה, זה בא מהמוחים. המוח החיצוני, פנימי וחיצוני, בפנימיות וחיצוניות שלו, נותן לנו להבין את הדברים האלו. אבל, איך אנחנו נוכל להשיג דברים שהם גם, שהם רוחניים, אפילו שהם מדברים, לדוגמה, בספר תורה ובכל התנ"ך, הדברים שנראים כאילו חיצוניים, אבל בעצם זה כל הדברים האלו, יש משמעות רוחנית. אז אם אנחנו לא יודעים על מה מדובר, כי העיניים שלנו לא מופעלים והמוחין שלנו לא מופעלים, אנחנו... יש לנו עיניים ולא רואים, יש לנו אוזניים ולא שומעים, יש לנו אף ואנחנו נחיריים ואנחנו לא מריחים. זה ככה. ולא נוגעים, ולא נוגעים בעולם הרוחני.
Venant mes abrim, ima avana vers la koa hayotse medibour shelano. Velo toamim et advarim alouhaniim. Qui a kol a chushim shovdim, a movdim les fiers mochin chitsunim, velo les fiers mochin pnimim. Ima mochin pnimim matrinim la route. אז אנחנו מלבישים את המוחים הפנימיים האלו, ולאט לאט אנחנו נראה שלאט לאט אנחנו נפתחים, אנחנו נהיה יותר מוכנים להבין את דברי הנביאים, לשמוע את הקול של הדיבור של הנביאים, מה שהם אמרו, ולהבין אותם, וכולי וכולי. C'est Abbasis. Alors bien sûr, nous allons prendre ça en français maintenant. Étant donné que seuls nos cerveaux extérieurs, à la fois dans la partie intérieure et extérieure de ces cerveaux extérieurs, fonctionnent, donc nos sens qui sont en relation avec ces cerveaux-là, ce sont le sens de la vision, de l'audition, du senti, et, de la parole et du dibour et du goûter, hein, et en même temps du toucher. Mais tout ça c'est extérieur. Alors c'est bien, je veux dire, c'est nécessaire, on doit bien sûr, grâce à Dieu qu'on a ça, hein, sinon on serait pas dans ce monde et avec ce corps, hein, mais c'est pas l'essentiel, il n'y a pas que ça. Alors il y a aussi une partie qui est la partie interne spirituel du cerveau, et c'est partie des cerveaux supérieurs, autant intérieurs que extérieurs, parce que aussi ils ont une intériorité et une extériorité, tant qu'ils ne sont pas activés et ne fonctionnent pas en nous et qu'on ne les reçoit pas, qu'on ne les récepte pas d'en haut, ce qui est la base de la Kabbalah, eh bien on va rester, on va pas voir. On croit qu'on voit, mais on croit qu'on entend. Si on lit des choses spirituelles qui sont marquées dans la Torah ou le Tanakh ou le Nar, et qu'on lit ça et qu'on les comprend qu'avec notre cerveau, notre vision, nos auditions matérielles, on ne peut pas tout comprendre bien comme il faut. On ne pourra comprendre que si la vue interne et l'ouïe interne, le sentir interne, qui est le ressentir aussi, l'intuition, hein, la puissance de la parole, hein, interne, du logos qui est en nous, du verbe, et la partie de nourriture spirituelle que nous pouvons goûter aussi avec notre bouche spirituelle, avec notre élément de goûter spirituel, si c'est une sorte de manne spirituelle, une nourriture spirituelle énergétique, et non plus le sens du toucher qui est la possibilité de ressentir vraiment au profond, comme si qu'on touchait les mondes spirituels et comme si qu'on pouvait quelque part ressentir les mondes plus divins qui sont au-dessus de nous. Mais si ça fonctionne pas, ben on comprend pas. On a des yeux mais on ne voit pas, on a des oreilles, on n'entend pas. Et là, je veux dire que là, à ce niveau-là, bon, ben, les psalim, c'est nous, c'est-à-dire les idoles, ce sont nous-mêmes, les idoles. Si on ne travaille pas là-dessus, on n'a pas besoin de chercher l'idole à l'extérieur, l'idole est en nous. Nous sommes nous-mêmes la propre idole de ce que nous devons représenter en réalité. C'est ça le truc. Et nous sommes idoles de quoi? De notre ego, qui nous a fermés au monde spirituel, matériel, uniquement. Ce serait la même erreur que de dire moi je veux rien que voir les choses d'en haut et puis ne pas, je m'en fous des choses d'en bas. C'est pareil, là tu te fais un autre Dieu, un autre niveau qui est plus idéologique mais qui marche pas dans la matière, et ça c'est pas bon non plus. Voilà. Alors donc il faut les deux. Il faut les cerveaux internes et externes et internes et externes, internes. Voilà. Et à partir de là, nous avons l'essence extérieur et l'essence intérieure qui marche et qui fonctionne, c'est ça normalement un homme complet. Voilà. Bon, là j'ai expliqué la base du premier verset, de la première sentence qui est mise là,
pour bien expliquer que c'est pas n'importe quoi, quoi. Ça repose sur quelque chose, c'est très profond ce qui est mis, voilà. Alors après, bon, on va continuer la suite. Alors, Kemo chez Mechapsim, Kolem Kolem, Anne Roser, vous savez, les sauveurs et Tatsmo, Kedelimso et Taboré, ok, Bifnim, Bifnim. Alors, donc, Mamchichim, Kemo chez Mechapsim, Matara, Derer, Adacha, Matslema. Tout comme nous cherchons un objectif au travers d'une. D'un zoom d'une caméra. Mais sauvevim, yemina, vesmola. On tourne l'objectif vers la droite et vers la gauche. Ou mehadedim et areya, yoter ve yoter. Et on va arriver plus à personnaliser l'objectif vers ce que l'on veut, comment on veut voir, hein, de mieux en mieux. Ad chepitom, jusqu'à ce que, d'une manière tout à fait fortuite, hein, opa, oui, opa, c'est très bien, opa, magnifique, ruim barour, on voit juste. Alors voilà. Kemo shemechapsim matara derech hadasha matzlema. De la même manière qu'on cherche un objectif au travers au travers de l'objectif d'une caméra, on cherche à avoir une bonne vision au travers de l'objectif d'une caméra, et mesovevim auto imina osmola, et qu'on le tourne vers la droite et vers la gauche, mehadedim et areya, on personnalise plus comment on voudrait voir exactement, yoter veyoter. Pareil pour un homme qui rentre dans un magasin pour chercher les bonnes lunettes. C'est pareil, donc voilà. Alors, Zekmo Banadam chez Nichnas Behanout Mishkafaim, qui est des Limdod et Areya, qui est chez Hatche Imtet à Mishkafaim Anichoni. Hatche Acharechim Istovav nous et Zekacha avec Kacha et à Objectif et à Adacha. C'est la maslima, az pitom, betsura pitomit, matsanu, opa, matsanu. Et voilà. Et soudain, on pourrait avoir tourné, retourné, en cherchant l'objectif exact et en adaptant exactement ça avec notre vue, et bien on va trouver exactement la vision correcte au travers de l'objectif. Et on va voir une bonne image au travers de la caméra. Donc voilà. Alors, et là on voit Barour, et on voit, et là soudain, un Arnorim, Betsura Bourra, et là d'un coup, on va voir d'une manière très claire. Voilà. Kacha Adam. Mais Karev est un mot laboré. C'est ainsi que l'homme se rapproche de son créateur. Aliade Limut Rochmat et Kabbalah. Regardez comme c'est profond. C'est ainsi que l'homme se rapproche de son créateur, Aliade, par l'intermédiaire du Limut de la Kabbalah. Car Adam et Karev est un mot laboré. Aliade Limut Rochmat Akabala. Et ainsi l'homme se rapproche lui-même par lui-même de son créateur, celui-même qui est en lui, que profond que son créateur a mis en lui, et qui a été fait à l'image de son créateur, peut se reprocher de la source qu'il a faite à son image. Et comment il va s'arriver à se rapprocher? Grâce au limoud de la Kabbalah, grâce à l'étude de la Kabbalah. Alors je répète encore une fois pour que ce soit bien intégré. Car à Adam, Mekarev et Atzmo laboré, Aliade limoud à Kabbalah.
et ainsi l'homme rapproche son soi, on pourrait dire, hein, du bourré, de son créateur, qu'il a fait à son image et à sa ressemblance, hein, et donc cette étincelle qui est dans l'homme, qui est une étincelle divine, hein, par rapport à Dieu, c'est que des étincelles, peut se rapprocher de son créateur et aller vers la source qui lui a donné l'image dans l'étincelle qu'il porte. Aliyadé Limoud, Akabala, Zé Aliyadé Limoud, Chochmat Akabala. Cela se fait par l'intermédiaire du Limoud, de l'étude de la Kabbalah. Alors, le mot Limoud en hébreu, c'est les mêmes lettres que Limoud, il y a dedans les lettres du mot molad. Hein? C'est-à-dire que à travers mon Limoud, mon étude, à l'IMC, je vais trouver moladi. C'est les mêmes lettres. Ma naissance. Vous voyez comme c'est fort. Hein? C'est comme la maïeutique de Socrate, la méthode philosophique d'accouchement des esprits. C'est un petit peu pareil là. Sauf que dans un seul mot, toute la maïeutique est exprimée. Alors, Aliyadé Limoud, Chochmat HaKabbalah, Motzim, Zot Aboré. Amila Limoud, Kolelet, et Aotiot, Shel Molad, Bepo, Ze, Otiot Limoud, Imiud, Zekmo, Moladi, A Molad, Sheli. Zot Omeret, Lefi Machani, Yilmad, Ani Ivalet Gam. Et Amolat Cheli Yekar. Les filles Machani Lomed. Azadif Ali Mouchen Lanou, Iten Lanou, Molade Tov. Des bonnes naissances. On souhaite que notre étude nous donne des bonnes naissances. Voilà. Et puis on va faire encore un deuxième. Qui est Galim Rouhaniim. Les fréquences ondes supérieures spirituelles. Avoda apnimit chez l'Adam. Le travail intérieur de l'homme, qui est précisément de trouver ses sens intérieurs pour rechercher l'objectif qui lui permet de voir le bourré. Hein, chez Zé à Limoud. Les sauveurs et apnimi ou tchelo que des limso et aboré chez Bifnim, mais la avoda la chouchim apnimi, avoda apnimi chez la Adam, là le travail intérieur de l'homme, hi l'essader et alev. Le fondement c'est de d'arranger son cœur. Donc nous étions à l'essader et alev. Pour travailler le cœur, et à Hushim, les Hushim, c'est les sens, les cinq sens, qui déliclot est à Olam Aruchani, afin de capter le monde Aruchani, le monde spirituel. Kemo Meshader Radio, comme quelqu'un qui envoie des ondes radio. Chez Mesovevimbo Kaftor, que l'appareil qu'il va utiliser, il va tourner en lui les boutons. Vetovsim et Agal Bahavir, et il récepte dans l'air. La vibration, c'est-à-dire la fréquence correspondante à la station qu'il veut capter. J'ai mes ovevim et un kaftor, vetovsim et un gal baavir, et qu'il attrape dans l'air la fréquence qu'il veut capter. Mais où mekabel baavir est un gal shehu mechapes. Car Adam est sauvé avec Atzmo, ainsi l'homme se retourne personnellement en lui, hein,
Alors Metsovev, c'est intéressant parce que Metsovev, c'est la valeur numérique de 110. Alors c'est Méanien chez Amila Metsovev et Gematria Mea Veser. Adam Metsovev et Atzmo, chez ou Metsovev et Atzmo Maomotse, l'homme se retourne lui-même. Il cherche en lui, il tourne en lui. Maose, Maumotse, Umotse, Meaeser. C'est la gamatria chez le Metsovev. Mais c'est Meaeser. C'est la gamatria chez l'Ef, chez l'Aleph, Bemiloui. Zotomeret, Alef, chez l'Aleph, Bemiloui. זה נקרא כמו מילוי יש פנימיות וחיצוניות האה זה החיצוניות של האלף כי אנחנו מבטאים אותו וזה ידוע אבל האלף לא מבטאים אותו זה נקרא פנימיות של, של המילוי זה הפנימיות הזאת של המילוי של האלף של האחדות שאנחנו מסובבים כדי, כשמסובבים את עצמנו, כשמוצאים כשמסובבים את עצמנו. Alors je dis donc que la valeur numérique de sauvevim, sauvev, pardon, mais sauvev, il tourne en lui-même, il cherche, il introspecte son soi, alors il va trouver quelque chose par là. Dans la valeur numérique 110 de Metsovev, va trouver le lef de Aleph. Le Aleph, c'est la lettre symbolisant l'unité totale des choses. Et dans lef de Aleph, nous avons la partie non prononcée du mot Aleph. Car on prononce A dans Aleph. On ne prononce pas Aleph. Ça veut dire que quand on ne s'attache pas simplement à la lecture pachoute simple du mot contenant un aleph ou un bet, eh bien qu'on s'attache à une lecture miloïque, c'est-à-dire remplie du mot, eh bien quand on trouve un aleph, le miloui de l'aleph, c'est le lef de aleph. Le remplissage de l'aleph, la plénitude de l'aleph, c'est le lef de aleph. Ainsi, cette plénitude est formée de deux bases, une base extérieure et une base intérieure. Quelle est la base extérieure? Le A de Aleph, parce qu'on le prononce. Quelle est la base intérieure? C'est le Lef de Aleph qu'on ne prononce pas. Donc, comme ça, on nous apprend, grâce au Milou, à mieux comprendre la partie non prononçable des choses, au travers de l'hébreu, c'est comme ça. Alors, bien sûr, Keshe ou Metsovev et Atzmo, ou Mikaven Yoter Veyoter, Nachon, la Teder Aruchani, et qui va de plus en plus aller chercher la fréquence plus juste de ce qu'il cherche comme fréquence radio. Qui correspond à la radio spirituelle qu'il cherche, eh bien, il va trouver quelque chose à partir de là. Bepo alot, anikraot, kavana. C'est grâce à la kavana, donc c'est grâce à ces disciplines qu'en hébreu, dans la Kabbalah, nous appelons kavana, concentration, hein. Alors, kavana veut dire à la fois concentré, ça veut dire aussi dirigé. C'est un terme qui est utilisé aussi pour la méditation. Hein. Donc, dans la kavana, il va trouver ce qu'il cherche, la radio spirituelle.
La radio spirituelle, c'est la kavana qui est adaptée à la recherche du verset que l'on cherche. Quand on fait une prière, qu'on veut savoir ce que la prière dit, on cherche les kavanotes, et c'est dans les kavanotes qu'on trouve la radio qu'on cherche. Et c'est dans cette kavanote où on trouve la radio qu'on cherche, qui est la radio spirituelle qui va nous mener vers le Créateur, petit à petit, va nous mener vers le Créateur. Acepitum, et cela on cherche jusqu'à ce que, d'une manière fortuite encore une fois, Niftachlo Memad Eha Acher, jusqu'à ce que, à force de faire des kavanotes, et de faire des kavanotes, et de faire des kavanotes, hein, des concentrations, des rechercher le sens profond de chaque mot dans la prière, par exemple, eh bien, il va se passer une chose, d'une manière tout à fait fortuite, paf, une nouvelle dimension va s'ouvrir devant lui. Acepiton niftach memad acher. Ouh, oler vemechapes. בכוונות התפילה, בייחודים, וכל הדיסציפלינות שיש במדיטציה של התורה, של הקבלה, שאנחנו מקבלים, אז זה עושה לנו שלאט לאט, אחרי שנחפש את הדבר הפנימי שהפסוק אומר, שנקרא פנימיות התורה, זה הקבלה, Midgale ma memadacher, une autre dimension. Umidgale lo aolam aruchani. Et alors se dévoile à lui le monde spirituel. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va faire Olam Katan. אנחנו סיימנו להיום ולספט רושן בשבוע הבא נתחיל את בעזרת השם העולם הקטן ביחס לעולם הגדול להסביר את הדברים בבסיס של הקבלה. כל טוב שיהיה לכם להתראות ושבת שלום. כשוכרת פור לביה ועטרי ביינטו ושבת שלום עטוס. בון שבת. ואוז'ורדוי סטרוחמת הלב ודופסי בעם, דן לפאפ. Alors il faut travailler le...